écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Lorraine Safou, bonjour. Bonjour. Nous sommes enfin face à face pour réaliser cette interview. Voilà, on a eu pas mal d'obstacles, mais nous y sommes. On se rencontre aujourd'hui pour parler de ton écriture essentiellement et des sujets qui sont très présents dans ton écriture. Donc tu es autrice de romans et de deux livres pour enfants avec des petites héroïnes noires. On se rencontre aujourd'hui à l'occasion de la sortie de ton deuxième livre pour enfants, Le chemin de Jada, qui succède à Comme un million de papillons noirs, que j'ai adoré, les deux, pour les textes et pour les dessins magnifiques de Barbara Brun. Merci. Et tu es aussi l'auteur d'un blog, Mrs. Roots, depuis 2013, sur lequel il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et on y lit sur la page d'accueil, sous le nom Mrs. Roots, on y lit « écrire, point ». Pour qu'il ne soit plus possible de dire encore une fois « je ne savais pas ». Cette phrase, j'ai l'impression que c'est une bonne introduction pour parler de toutes tes activités. Ouais, tout à fait. Alors déjà, je pense qu'il faut rendre cette citation à son auteur. Il s'agit d'une citation d'André Brink, donc, qui est l'auteur de « Une saison blanche et sèche ». Et déjà, en fait, dans ce roman-là, ce qui m'a marqué, c'est que le personnage principal doit justement faire le choix de dénoncer la réalité de l'apartheid qui se met en place donc en Afrique du Sud au moment où l'histoire se passe, et donc d'écrire une lettre à ses proches pour dénoncer toutes les violences auxquelles il a assisté et le climat hyper violent, en fait, et politiquement violent vis-à-vis des personnes noires. Et donc cette phrase m'a beaucoup marquée parce qu'elle entrait en résonance avec... Je pense avec plein de choses, d'une part déjà avec ce qui m'a poussée à faire ce blog-là, c'est-à-dire que je suis la fille d'un homme congolais et d'une femme martiniquaise, je suis née à Orléans, et donc en fait mon identité s'est toujours trouvée au croisement de plusieurs cases en fait, dans lesquelles on a essayé de me mettre, que ce soit le fait que je sois... pas assez antillaise, que ce soit le fait que je sois pas assez congolaise, que je sois pas assez française au lieu de mon propre pays, donc... Il y avait un peu cette volonté de me dire, en fait, j'ai pas envie de choisir de case. Et mon identité est un tout, et je vais faire ce travail, en fait, de l'analyser et de voir ce que ça veut dire, en fait, d'avoir cette identité dans un contexte français, voilà. Le problème, c'est que je ne savais pas quels outils utiliser. Donc, j'avais un blog, mais je ne voulais pas que ce soit un journal intime. Et ce que je connaissais de mieux, en fait, c'était la littérature. Donc j'ai commencé du coup à travers le regard de plusieurs auteurs afro, que ce soit des auteurs américains ou africains ou encore antillais, etc. D'avoir un regard en fait d'analyse sur ce que ça voulait dire d'évoluer en tant que femme noire afro-descendante ici en France et qu'est-ce que ça supposait aussi comme rapport à la société. Et donc j'ai commencé à écrire comme ça avec cette idée aussi de me dire je n'ai plus peur d'écrire ce que je vis. Parce que aussi, il y a quand même un tabou réel en fait autour du racisme. Le racisme, on n'en parle pas. Le racisme, même quand on pense en parler, tout le monde peut parler du racisme quand on imagine un vieillard en campagne en train de dire sale nègre en fait. Mais tout ce qu'il y a, toutes les formes insidieuses, toute la dimension politique, toute la dimension systémique, donc la manière dont c'est ancré dans le système. Par des lois, par des institutions, etc., etc. Personne ne veut en parler, et notamment le privilège blanc, et donc tout ce qui va avec. Donc moi, je me retrouve là, en 2013, à me dire, en fait, je vais être vocale sur ces thématiques-là, avec l'appui de tous ces auteurs qui ont travaillé sur ces questions-là. Et j'étais terrifiée, en plus. J'étais terrifiée, parce que avoir, en 2013, une plateforme sur ces questions-là, ça veut dire accepter, en fait, de s'inscrire comme un sujet politique et donc d'être attaqué pour les mêmes raisons. Donc j'ai commencé mon blog comme ça. Et les attaques sont violentes. Et les attaques sont violentes. Très violentes. Et de plus en plus maintenant. De plus en plus. Et surtout avec cette idée aussi qu'il y a une démarche, en fait, de sensibilisation aussi derrière ce blog-là. Mais il y a aussi une démarche de vouloir soutenir, en fait, les femmes noires qui sont dans les mêmes situations que moi et qui se sentaient aussi démunies que moi. Parce que quand grandir aussi en France en étant une femme noire, surtout dans une ville de province majoritairement blanche, c'est être traité comme une anomalie et intégrer qu'on est une anomalie en fait dans notre environnement. Donc ça a un impact sur toute notre construction en tant que personne, ça a un impact sur notre estime, etc. etc. Donc j'avais vraiment envie d'écrire le blog pour la fille que j'avais été en fait et qui avait besoin d'être rassurée.
Et c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à faire ce blog. Et en sachant qu'évidemment, d'autres personnes qui ne sont pas des femmes noires allaient le lire. Mais en tout cas, j'avais vraiment cette idée que, une fois qu'on dit à quelqu'un, en fait, telle chose est raciste ou telle chose est sexiste, ou voilà c'est quoi les violences que l'on subit avec la discrimination, la personne ne peut pas dire je ne savais pas. Elle fait, à partir de ce moment-là, il y a ce shift où la personne fait le choix ou non de perpétrer ou pas ces discriminations, de ne pas s'en soucier, ou justement de changer son comportement, etc. etc. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus, l'ignorance n'est plus possible à partir de ce moment-là. Et c'est pour ça qu'il y avait ce positionnement politique par rapport à ce blog-là, en fait. Donc évidemment, alors c'était en 2013, du coup, on était aussi au balbutiement, en fait, de l'afroféminisme français. C'est Donc, ça, oui, parce que là, maintenant, il y a toute une génération de voilà. jeunes femmes engagées qui ont toute une culture aussi, une grande Complètement, et culture. qui sont dans ce travail de se réapproprier aussi un héritage d'un afroféminisme qui a été effacé de l'histoire du féminisme en France, qui a été même effacé de l'histoire en général, et qui remonte à très loin, en fait. Enfin, même les sœurs Nardal avaient des pensées afroféministes, et qui correspondent à un certain courant. Mais bref, c'est un autre sujet. Donc oui, je me retrouve en 2013 dans cette première génération d'un renouveau afroféministe, et cette idée aussi que, ben, en tant que femme noire, on peut s'exprimer, en fait, sur la dimension politique, en fait, de ce pays, et climat politique. Et ça, juste pour ça, en fait, on se fait insulter, on se fait harceler, c'est aller très loin. Et en fait, quel que soit le parti, c'est-à-dire qu'il y a des militants d'extrême gauche qui ont cherché mes coordonnées personnelles pour histoire de trouver où je travaillais et de envoyer ce que je disais anonymement sous Mrs. Root sur le net à mes employeurs. Et ça arrivait à d'autres militantes afroféministes aussi. Et même le mot militante, il faut garder en tête qu'il y avait juste des femmes noires qui disaient ce qu'elles pensaient, en fait, avant Oui, même de oui. se dire Oui, activiste ou quoi que ce soit, quoi. C'est juste elles partageaient leurs expériences et pour ça, elles se faisaient harceler. Et donc, on comprend que le parce que fait c'était que. une pensée d'un seul coup qui s'émancipait, qui n'était C'est plus dans le ça, qui s'est. communément admis et qui venait remettre en question aussi une façon de vivre et aussi une histoire. C'est ça, et un paternalisme aussi politique. C'est-à-dire que les femmes noires, elles sont où? Ben, les femmes noires, pourquoi des femmes noires parleraient? Puisqu'il y a déjà des associations antiracistes. Pourquoi des femmes noires parleraient? Puisqu'il y a déjà des associations blanches féministes. Pourquoi les femmes noires parleraient? Puisqu'il y a déjà la gauche qui les défend. Pourquoi elles auraient ce culot de s'exprimer pour elles-mêmes et par elles-mêmes? C'était vraiment vécu à cette époque comme quelque chose de transgressif, le fait que les femmes noires déjà dénoncent cette espèce de paternalisme sur le fait que, ben, en fait, on a toujours été au croisement de l'expérience du racisme et du sexisme et du mépris de classe. Et entre autres, hein, si c'est une femme noire et queer ou c'est une femme noire à un Oui, handicap, là, voilà, il y a on cumule ouais, là. voilà, il y a un cumul du haut. Et encore plus, en fait, avec la question même de l'islam et tout. Donc, en fait, y avait ce besoin aussi de dire, en fait, on a des expériences que vous ne connaissez pas et que vous ne pouvez pas porter pour nous. Et en fait, c'est fini. On a notre discours. Historiquement, on a toujours été effacés, on a toujours parlé pour nous. Maintenant, ça suffit. Maintenant, c'est fini. Et Mrs. Root s'est ancrée dans ça, en fait. Et ça a été. Je pense que c'est pour ça que ça a été hyper violent. Et c'est assez. J'ai un regard très ironique sur la manière dont l'afroféminisme est considéré aujourd'hui. Parce que, alors évidemment, c'est plus connu, ça s'est banalisé, etc. Mais il y a aussi une dépolitisation où, à un moment, la presse féminine a voulu en faire quelque chose de glamour, en regard avec des icônes américaines, Oui, Angela Angela Davis, Davis, Michelle c'est voilà. Obama, etc., etc. Alors que ça reste en fait un mouvement politique, en fait. Donc, bref, du coup, je pense que même cette citation montre en fait que dès lors qu'on verbalise, c'est déjà politique, en fait. Dès lors qu'on s'exprime sur les discriminations que l'on subit, la manière dont c'est organisé, en fait, et que c'est au sein d'un système que ça s'exerce sur nous, en fait, on devient un sujet politique. Même avant même de se dire je vais m'inscrire dans tel parti ou une association, etc., les paroles des femmes noires sont politiques. Voilà, ça recoupe voilà, jusqu'à notre intime, jusqu'à nos sphères personnelles, jusqu'à nos vies professionnelles, jusqu'à. Voilà, on n'est pas des citoyennes lambda. Mais surtout, on n'est pas des citoyennes lambda pour toutes les violences que l'on subit, en fait. C'est pas faute de vouloir être des citoyennes lambda. Donc, ouais, je suis vraiment partie de là, en fait. Et toujours avec cette idée que ce qui va me protéger, en fait, c'est ma parole. Et personne n'a. On peut ne pas être d'accord, etc., etc. Mais personne ne pourra me faire taire, en fait. Et c'est parti de là. Bien.
En regardant ce blog, ce qui m'a aussi frappé, c'est que tu as déjà une, je dis déjà parce que tu es encore toute jeune, et tu as déjà une grande culture littéraire et une grande maturité dans tes analyses. Comment est-ce que tu as construit tout ça? Parce que ça vient pas de l'école, on est d'accord? En fait, ça s'est fait, je pense aussi en réponse à ce que j'ai appris dans l'école française. C'est-à-dire que j'ai fait des études de... J'ai toujours été déjà passionnée de lettres. J'ai toujours adoré la... Alors, j'ai toujours préféré écrire avant de lire, mais j'ai toujours aimé la littérature. Et donc, j'ai passé des années jusqu'à ma licence et même à mon master à étudier la littérature française et à étudier aussi d'autres littératures où je ne me voyais pas. Et donc j'arrive à 20 ans et je tombe sur un... Alors ça faisait des années que ma mère me recommandait des livres de Toni Morrison. Toni Morrison, il y a toujours eu des livres à la maison, même si ma mère n'est pas forcément fan de littérature ou autre. On a toujours eu les livres de Toni Morrison à la maison, parce que c'était une femme qu'il fallait connaître. Et donc je m'en rappellerai toujours, c'est une anecdote que je rappelle à chaque fois, mais je trouve qu'elle est un peu fondatrice. Ma mère avait toujours ce petit article découpé dans un magazine disant que Toni Morrison est la première femme noire à avoir obtenu un prix Nobel en fait de De littérature littérature, oui. et que c'est voilà, il fallait savoir qui était Toni Morrison. Et donc comme on a beaucoup de passé par an, donc je laissais les bouquins de ma mère s'empoussiérer dans son étagère et je disais ouais ok d'accord Mais tu n'avais j'écoute. peut-être pas aussi conscience, toute Ouais, jeune, j'avais pas. de ce que ça signifiait. Non, je pense que je savais parce que ma mère a, c'est ce que je dis souvent, ma mère a été la première afroféministe que j'ai connue. C'est juste que c'est une afroféministe qui ne dit pas son nom. et je pense que je l'ai toujours, j'ai toujours été très sensibilisée à ce qu'elle avait vécu aussi, parce qu'elle est arrivée dans l'Hexagone à 19 ans, et donc elle a toujours été très transparente sur ce qu'elle a vécu en termes de discrimination en tant que femme noire en France, qui plus est antillaise. Donc j'étais déjà sensible à ça, mais même si j'avais pas les mots pour nommer ça, même si j'avais pas le vocabulaire, je savais ce que j'ai toujours su que j'étais une femme noire en France et ce que ça voulait dire aussi en termes de violence que je pouvais recevoir, etc. Et ma mère a toujours été très transparente sur ça. Donc je savais pourquoi elle me parlait de Toni Morrison et je savais que c'était aussi une manière de dire, bah en fait, je sais pas si c'était tu peux le faire aussi, mais c'est possible. Voilà, c'est possible d'avoir un destin comme Toni Morrison. Sachant qu'à l'époque, je ne me disais pas du tout écrivaine ou quoi. Enfin bref. Donc c'était juste... Voilà, il y avait vraiment cette idée de... Faut que tu saches qui est cette grande dame, en fait. Et donc à 20 ans, finalement, donc à l'issue de toutes mes études, où je me dis, mais c'est quand même dingue de voir autant de courants littéraires, etc., etc., et de ne jamais me voir dedans, en fait. De ne Et... pas voir de femme Ouais, de noire. ne pas voir de femmes noires, ou alors soit c'est à travers donc un prisme ultra-colonial où les femmes noires sont félines, sauvages et tout ce qu'on Voilà. veut, soit c'est la C'est l'esclave, exotique ou sexuel, hein, voilà, en général, oui. ou soit on est l'esclave en fond au second plan en fait, ou même l'arrière-plan de l'arrière-plan de l'arrière-plan parce que ce personnage-là sert les personnages principaux au plan. Dans les films aussi, hein. Dans les films aussi, et donc c'est ça, c'est que je me suis dit, c'est quand même incroyable. Et faut préciser aussi pour le contexte, la littérature antillaise est rarement mise en avant aussi dans l'Hexagone, dans ce type de cursus en Moi, fait. j'ai découvert un jour au Salon du Livre Ouais. où il y avait un stand de. Je crois que c'était une femme qui a une librairie en Guyane. Mmh. Tout le stand, il y avait un grand stand avec que des auteurs de Martinique, de Mmh. Guyane, de Guadeloupe et de d'autres endroits dont j'avais même jamais entendu les noms. Mmh. C'est là où j'ai acheté mon premier livre de. Ah, Télumé Miracle, je ne sais Ah, plus. Simone Schwarzbart. Simone Schwarzwald, qui m'avait Je beaucoup l'aime. J'aime tellement marqué. cette autrice. Voilà, et Marie Scondé et tout ça. Et alors là, vraiment, je tombais de ma chaise en me disant, mais comment se fait-il qu'on m'a jamais parlé de tout ça? Pour rejoindre ce que tu dis, c'est Ouais. qu'effectivement, Ah, pourquoi complètement. ça n'arrive pas jusqu'à nous ici, quoi? Complètement. Et même si ma mère avait pour le coup grandi avec ce type de lecture-là, bah tout simplement, pour elle c'était banal en fait, vu que bah, voilà, aux Antilles c'est connu. Simone Schwarzbart est connue, Marie Scondé est connue, mais dans les cursus que j'ai eus, voilà, j'avais pas la présence de ces autrices noires, quoi. Donc en fait, elles étaient. J'avais vraiment la littérature française me faisait bien comprendre que je n'étais pas pensée dans cette littérature-là. Et un jour, donc, je tombe, je crois que c'était en 2012, le livre Home de Toni Morrison est sorti. Et donc, je me suis dit, bah tiens, ma mère, ça fait longtemps qu'elle me parle de cette autrice, donc je vais C'est le moment. jeter. Voilà, c'est le moment. Je commence à lire Home. J'avais pas aimé l'histoire, mais j'avais été marquée par la manière dont Toni Morrison ne laisse pas place au confort pour son lecteur.
y a toujours une sorte de malaise, parce qu'elle nous met au pied du mur, en fait. Elle nous met au pied du mur, même si c'est laid, même si c'est cruel, etc., etc. Elle est très transparente, et même si c'est magnifiquement écrit, elle nous met dans un inconfort qu'elle assume complètement. Oui, il y a un côté brut, quoi, Voilà, de... ouais. Et je me suis dit, qui est cette femme qui sort des livres et qui accepte de... qui force le lecteur à sortir d'une certaine passivité dans sa lecture. Je me suis dit, qui est cette femme? Donc je suis retournée chez ma mère, enfin chez mes parents. Et là, j'ai fouillé dans... J'ai lu tout ce qu'elle avait écrit, enfin pratiquement tout. Et je suis tombée du coup sur Tar Baby. Donc Tar Baby, autre livre de Toni Morrison, qui donc se passe aux Antilles, je crois que c'était à Sainte-Lucie que la pièce se passe, où on suit un couple américain blanc de retraités qui décide de s'acheter une petite villa avec des domestiques évidemment noirs, pas très éduqués, etc., qui, pour contrebalancer leurs privilèges, décide de payer l'instruction de la petite nièce de ce couple de domestiques, parce que voilà, c'est un peu le côté absolution de leurs privilèges blancs, etc. Mais c'est jamais dit, et en fait, c'était l'intrigue, cette espèce de petit univers de ces retraités est bouleversé avec la venue d'un homme noir, foncé, ça aussi, parce qu'il y avait des questions de colorisme aussi dans ce livre-là, qui va complètement casser un petit peu l'ordre établi de cette maison, quoi. Autant en poussant à bout les domestiques qu'en poussant à bout les retraités, en Et fait. lui, il arrive en tant que quoi? Il arrive. Alors en fait, En c'est tant que un. domestique ou en tant que... Non, en fait, c'est un vagabond. Et du coup, il demande de l'aide. Et donc, il y a plusieurs postures. Il y a à la fois les domestiques qui vont se dire, mais qui est cet homme qui est encore, même plus socialement, encore plus En bas dessous en de, dessous que, en dessous de de nous? nous. Qui est-il? Quelle image il renvoie, etc. Et à l'inverse, il y a cette espèce d'altruisme forcé des retraités blancs qui vont dire, mais aidons-le, etc. Un peu en mode sauveur, quoi. Et donc, il va rester quelques jours dans cette maisonnée et tout va s'effondrer. Enfin bref, et c'est extrêmement bien écrit. Et surtout, ce que j'ai trouvé rare, c'est que Toni Morrison nous fait rire. Toni Morrison nous fait rire par la subtilité des tensions à la fois raciales, mais aussi en termes de classe, en termes de genre aussi, puisque cette nièce aussi, qui est une grande adulte, va tomber amoureuse de cet homme qui n'a pourtant rien. Donc bref, tout se noue autour de cette petite maison. Et c'était la première fois, du coup, que je voyais des personnages non seulement qui me rappelaient, en fait, voilà, le colorisme aux Antilles aussi est présent, qui me montraient une femme noire qui faisait l'aller-retour entre les Antilles et aussi la France. Donc, j'avais jamais vu un personnage qui est aussi proche de moi. Et là, je me suis dit, à 20 ans, comment ça se fait qu'il faille que je tombe sur le livre d'une femme noire américaine pour me sentir représentée? Après toutes ces années d'études de littérature. Donc à partir de là, je me suis dit, en fait, je vais continuer de chercher. Je vais continuer de chercher et j'ai essayé de lire tout ce que je pouvais en termes de littérature afro. Et c'est aussi, c'est très peu de temps après l'ouverture de mon blog qui avait cette volonté de montrer la diversité des littératures afro. Donc j'ai commencé à lire Fanon, j'ai commencé à lire Césaire, j'ai commencé à lire Léonora Miano. Voilà, je lisais tout ce que je Léonora pouvais. Miano qui a eu un rôle, je crois, dans Ouais, ton ouais, ouais, un ouais, déclic. ouais. Et en fait, le travail de Léonora Miano a eu ce second. C'était un autre déclic littéraire, c'est que elle a mis un mot sur une expérience. C'est-à-dire que dans son roman Blues pour Élise, donc qui suit quatre femmes noires à Paris de différentes origines et de différents backgrounds, elle rend en fait la vie d'une femme noire en Occident, dans la littérature francophone. C'est extrêmement rare. Et donc, en fait, à travers ce livre-là, elle revendique l'existence d'une littérature afropéenne. Et là, je trouve ce mot et je me dis, waouh! Parce que qui dit afropéenne dit que c'est un terme qui recentre mon expérience en tant que femme afrodescendante en Europe. Oui, Et comme les Africains américains, ouais, parce qu'on dit voilà. plus Ouais, afro-américain. ouais, ouais, Oui, ouais. c'est vrai que nous, il n'y avait pas de mots Il n'y avait ici. pas de mots. Il n'y Oui. avait pas de mots. Et surtout, ça englobait tout. C'est-à-dire que ça prenait à la fois. Donc mes origines, et ça ne demandait pas de retirer d'où je venais, mais ça prenait bien en compte que mon vécu est propre à un contexte occidental, et particulièrement européen, ici en France en fait. Et je découvre ce mot, et je suis juste... Ça ouvre des Ouais, ça ouvre perspectives. des perspectives en fait. Et surtout, je me suis dit, alors est-ce qu'il est possible d'avoir une littérature afropéenne? Et je me rappelle très bien avoir interviewé Léonora Amiano pour mon blog, justement, par rapport à ce livre-là, et je lui avais demandé, mais pour vous, comment vous expliquez qu'il n'y ait pas
de littérature afro-péenne, pourquoi on n'en parle pas, Oui. etc., etc. Et elle m'a dit dans un flegme, enfin, elle m'a répondu dans un flegme qui lui est très, très propre, que c'était à nous de l'écrire de toute façon. Donc Voilà. pourquoi attendre? Et je me rappelle avoir été un peu déstabilisée par cette réponse parce que je pense que justement, ça avait piqué aussi mon confort en fait. C'est que c'était à Toi, nous tu de avais commencé l'introduire. à écrire ou pas à ce moment-là? Alors j'écrivais depuis l'âge de 12 ans. Donc ouais, quand elle m'a dit, mais c'est à nous de la produire, je me suis dit, ah ouais. Donc en fait, je sais pas si les gens imaginent, mais c'est comme si on vous dit que la littérature russe n'existe pas et que tout est à faire. Mais là, c'était la même chose. C'est que je me suis dit, la littérature afropéenne est à construire en fait, et à écrire et à produire, et que le champ des possibles est immense. Et donc une fois qu'on se Et dit, que tu ne peux plus rester sur la touche, c'est toi non ça, plus. c'est De la ça. même façon que tu disais par Ouais. rapport au racisme, Ouais. les gens, une fois qu'ils savent, après, c'est leur choix de continuer à Ouais. Ouais, perpétrer ou pas. À ouais. partir du moment où elle te disait, enfin, de ce que j'ai lu de tes précédentes interviews, ce qui m'avait amusé, c'est que j'avais l'impression que tu étais arrivé un petit peu en te plaignant en face de Léonore Ouais, tout Agnano. à fait. Et du coup, tu te retrouvais avec la charge de te mettre en mouvement Exactement, et c'est ça et qui de t'y m'avait. coller, quoi. Ouais, et c'est ça qui m'a. Et je pense aussi que la raison pour laquelle ça m'avait. Sa réponse m'a fait l'effet d'une pique, c'est aussi parce que je me sentais pas légitime en fait pour le faire. Et en fait, elle m'a Pas renvoyé. légitime par rapport à quoi? Parce que l'une des raisons pour lesquelles j'ai jamais pensé que je serais écrivaine, c'est que j'avais jamais vu d'écrivaine avec mon parcours en général mis en avant. C'est-à-dire que on connaît des autrices antillaises, on connaît des autrices originaires d'Afrique francophone, mais des artistes noires françaises, en tout cas déjà à mon époque, il n'y en avait pas. Oui, C'est il n'y en pas elles a qu'on. pas. Voilà, En tout cas, on ne les voit pas on ne les beaucoup. voit pas beaucoup. Il y en a, Il y et en a heureusement, il y beaucoup. en a, mais Et c'est pas oui. elles qu'on voyait sur les plateaux télé, dans les grandes émissions littéraires, quand il y avait des prix Goncourt, enfin Pas voilà. beaucoup mise en avant, on va C'est dire, ça, ouais. et les prix Renaudot, etc. Enfin voilà, ce n'est pas elle qu'on voyait. Je voyais surtout une majorité d'hommes blancs de plus de 30 ans, très souvent parisiens, souvent bourgeois, etc. Enfin, c'était toujours le même profil en fait. Donc rien ne me disait que je pouvais espérer avoir la carrière que Léonora Miano avait en fait. Et toujours avec cette idée aussi que souvent, il y a aussi ce traitement de la presse, quand il y en a une, c'est bon. Donc si Léonora Miano existe, Oui, pourquoi comme dans le gouvernement. voilà, exactement. Oui, donc c'est ça qui m'a vraiment. Donc ouais, quand j'ai découvert le mot afropéenne, voilà, le champ des possibles s'est ouvert, quoi. Oui, je suis retombée là, récemment sur une phrase que j'avais notée de Patti Smith, qui disait dans son livre Just Kids, elle dit, j'allais aussi loin que je le pouvais et me prenais un mur, celui des limites que je m'imaginais. Et en fait, en relisant ça, je travaillais sur ton interview et j'avais l'impression que tu avais fait ce cheminement-là aussi. Ouais. À un moment, là avec Léonore Miano et puis avec d'autres, d'avoir fait tomber ses limites. Après, je pense que ces limites étaient quand même réelles dans le sens où j'avais vécu beaucoup de violence aussi de toute ma Bien vie, en sûr. fait, que ce soit même dans des cours de français où un professeur pensait que ma dissertation n'était pas de moi parce que c'était trop articulé, alors que je suis née en France comme tout le monde. Je pense que voilà, j'avais accumulé aussi des violences qui font que quand j'ai commencé Mrs. Roots, c'était aussi un processus pour moi de reconnaître que les violences que j'avais subies n'étaient pas normales et que Oui. je n'étais pas le problème et que j'étais légitime en fait dans ma voix. Donc en fait, ça s'est vraiment fait de manière assez progressive. Et en fait, chaque fois que je pensais avoir fait un pas, donc je suis légitime pour écrire un blog, bah, je me retrouve face à Noémie Miano qui me dit, tu es légitime en fait pour faire un livre en fait et Oui, c'est ça. pour te projeter. Mais Donc donc les limites, tu les ouais, repousses. donc les limites, je les ai repoussées Voilà. au fur et à mesure Tu les et fais reculer. je les ai fait reculer. Après, il y a des fois où elles se sont bien matérialisées, notamment pour Quand un lion de papillon noir, mais on pourra revenir dessus. Mais oui, donc il y avait un peu ce. Et puis même par rapport au harcèlement, en fait. Alors, à chaque fois que je me faisais harceler sur les réseaux sociaux, c'est est-ce que j'arrête, en fait? Et en fait, c'est où on se découvre, je pense. Je ne peux pas arrêter. Ça fait partie de moi d'être afroféministe, ça fait partie de moi d'être. Vocale sur ces questions-là et sur ces Oui. violences-là. Et là, les violences, elles apparaissaient sous forme de commentaires, de messages, De de... commentaires, de Oui. messages, surtout sur Twitter, c'était assez virulent. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui ont quitté Twitter pour Ouais, ça. ouais. Ah C'est oui, il y a plein un ramassis C'est de hyper violent haine. et encore plus. Enfin, aujourd'hui, c'est encore plus tendu, je trouve. Encore plus crispé, un peu le climat sur ce réseau-là. Et mon entourage me demandait pourquoi tu continues, enfin est-ce que ça vaut le coup de continuer Oui. vu la violence Oui. qu'il y a à dehors, quoi.
Sauf que voilà, sauf que je me dis, mais je dois continuer parce que déjà, je pense qu'il y avait déjà l'idée un peu égoïste de se dire si j'arrête, ils auront gagné, et aussi d'autre part, parce que j'en avais besoin. Donc, je pense que j'ai mesuré aussi l'ampleur de mon engagement et jusqu'où il pouvait m'amener avec ça en fait, avec cette idée de quelles sont les vraies limites et est-ce qu'elles sont insurmontables ou pas. Et c'est là où voilà, je te rejoins sur le fait que quand on réalise si elles sont surmontables ou pas, c'est là où on les abat en fait. Oui, Ouais. et de croire que c'est possible, d'un Ouais. seul coup, Oui, ça, bah, ça nous pousse ça à. fait tomber aussi des limites, même si Ouais. elles restent bien concrètes et Ouais, tout ouais. ça. Bah, on s'autorise à y croire, quoi. Je crois que c'est vraiment ça. On s'autorise à croire que c'est possible de les surmonter. Et ça, Oui. c'est déjà beaucoup. Alors, petite, j'ai lu que tu lisais entre autres Tom Tom et Nana. Oui! Moi aussi. J'ai même J'adorais! le premier, j'aime lire La Ouais. Chambre bleue avec Tom Tom et Nana. J'ai pas regardé, je les ai encore. Mais si je me souviens bien, tous les personnages étaient blancs dans Ouais. Tom Tom et Nana. Alors, il y a le Alors. personnage de Rémi qui était le meilleur ami, qui est le meilleur ami de Tom, je crois. Oui. Et mais c'était un personnage très secondaire. J'adorais cette bande dessinée, mais je me souviens, en fait, j'ai ce souvenir très net d'être dans la bibliothèque de mon école de primaire avec tous les livres autour de moi, des bandes dessinées, des contes, etc., et de ne pas trouver de personnage qui me ressemble. Oui, voilà, parce que je me suis demandé justement si, à l'époque où tu lisais Tom Tom et Nana, où tu étais petite, est-ce que tu avais conscience, est-ce que ça t'a percuté à un moment de te dire, mais en Ouais. fait, il n'y a pas de. C'est tous des petits blancs là-dedans. Ouais, complètement, parce que du coup, alors je pense que déjà Tom Tom et Nana, j'aimais beaucoup parce que déjà que je n'aimais pas lire à l'époque, donc c'était le parfait format. Tom Tom et Nana m'a réconcilié avec la lecture et puis avec côté bande dessinée. Oui. Mais surtout, voilà, une fois que je sortais de Tom Tom et Nana et que je cherchais un livre où il y avait des personnages qui me ressemblent, il n'y en avait pas. Et en fait, cette question s'installait, même si je ne mettais pas les mots dessus. Cette question s'installait et revenait. Quand il était question de quel costume je vais porter pour Carnaval et que toutes mes copines étaient en princesse Disney, il n'y avait pas de princesse Disney noire. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je prends les vêtements de Pocahontas parce que c'était la princesse la plus proche de ma carnation à l'époque? Voilà, il y a tout ça, ça s'est installé et ça s'est déposé en petits événements, en petites expériences tout au long de ma vie en fait. Tout au long de ma vie. Oui, donc j'en étais consciente, je le ressentais. Et du coup, quand tu décides de d'écrire comme un million de papillons noirs, comment on passe de la petite fille qui trouve pas de Waouh. petits personnages noirs dans Tom Tom et Nana Alors c'est à très, ce premier livre? franchement c'est très amusant pour moi parce qu'on m'aurait dit il y a quelques années tu vas écrire des livres pour enfants, j'aurais ri très très fort parce que bah déjà qu'on devient adulte on grandit pas forcément avec des livres pour enfants en fait. Même le rapport aux livres pour enfants je l'avais un peu oublié justement parce que j'avais pas ce souvenir d'avoir eu un livre que j'adorais par-dessus tout avec des personnages qui me ressemblaient etc. Bien qu'il y en ait quand même un jusqu'à aujourd'hui. Lequel? C'est Il était une fois un éléphant. J'ai oublié le nom de l'auteur. Mais qui est un livre, là encore, alors anglais ou américain. Donc, encore une fois, la littérature anglophone est assez en avance sur ces questions-là de représentation. Donc, je pense aussi que même le fait que mon livre favori soit pas français, aussi très parlant. Mais du coup, donc, comment j'arrive à Papillon Noir? Ben, déjà, en fait, comme je disais avec mon blog, il y avait cet aspect critique. Donc, je suis vraiment arrivé à la littérature jeunesse par. Comment fait aujourd'hui une femme noire maman pour trouver des livres pour ses enfants? Et je reposais en plus la question, donc on était en 2014-2016, est-ce qu'aujourd'hui c'est plus facile que lorsque j'étais petite, etc., etc. Et donc je fais une interview de Diarra Toukébé, qui est en fait donc l'autrice d'un essai Maman noire et invisible, et qui raconte en fait qu'elle, elle avait, quand son fils est né, elle avait le choix entre Petit Ours Brun ou voilà, ben, des caricatures coloniales où les enfants noirs sont forcément en Afrique, avec un pagne, etc., etc. Ce qui ne correspond pas à une expérience afropéenne, en fait, ou une unité afropéenne. Du coup, voilà, j'entre dans la littérature jeunesse par cette petite porte-là critique sur quel est l'état des lieux de la littérature jeunesse aujourd'hui. Et donc, les éditions Billy Bock, à l'époque, voient cette interview. Et me contacte donc en 2016-2017 Voilà l'interview de. de Djariatou Kébé, donc cette interview que j'avais faite sur mon blog avec elle. Et donc il trouve cette interview sur mon blog et il lise ce que je mets en avant avec le propos de Djariatou Kébé sur le manque de représentation dans la littérature jeunesse. Et il se trouve que leur maison d'édition indépendante, donc qui venait justement d'être créée, avait pour but de vraiment offrir une réelle représentation diversifiée, autant sur le plan mélanique, donc background ethnique, etc., etc., autant sur le plan des orientations sexuelles, autant sur le plan du handicap, etc., etc. Donc c'était vraiment une maison d'édition qui s'était créée pour prendre à bras le corps ce problème de représentation. Et donc il me contacte
Et ils me disent, bah voilà, on a le titre d'un livre qu'on aimerait faire autour du cheveu, qui s'appellerait Quand le papillon noir. Est-ce que vous connaissez la citation? Évidemment, en grande fan de Toni Morrison, je connaissais par cœur cette citation. Oui. Et ils me disent, bah, est-ce que vous verriez faire un livre pour enfants à partir de cette citation-là? Et surtout, ils me donnent carte blanche. Et je pense aussi le fait que de travailler avec des éditeurs qui connaissaient mon propos sur Mrs. Roots, où j'avais déjà beaucoup écrit à l'époque, et qui connaissaient ma démarche, et qui me donnait carte blanche, tout de suite c'est plus facile en fait de créer. Donc je me retrouve à écrire en un après-midi l'histoire d'Adé, en m'inspirant d'un souvenir petit où j'avais été moi-même moquée pour mes cheveux à l'école, et que ma mère m'avait dit de garder mes nattes quand bien même. Enfin voilà, que le regard des autres ne devait pas changer mon regard sur ma propre Oui, beauté en oui, fait. oui. Donc ce petit souvenir que ma propre mère avait oublié d'ailleurs. m'a poussé à écrire ce livre en fait. L'histoire d'Adé s'est créée autour. Et donc évidemment, comme je venais du roman, donc il y avait quand même pas mal d'ajustements à faire pour un public enfant. Mais il y avait vraiment ce parti pris de la poésie que je voulais garder. Parce que c'est pas parce qu'on parle de thématiques. En fait, je différencie vraiment responsabilisation et écriture. Je voulais quand même responsabiliser sur la question du racisme, notamment dans l'espace scolaire, en montrant que c'est pas un personnage noir qui s'est réveillé un jour en disant je n'aime pas ma couleur de peau. Qu'on n'aime pas notre couleur de peau parce que l'extérieur nous renvoie aussi cette image que la couleur de peau noire est quelque chose de déprécié. Donc, mais à la fois, même si c'était une thématique dure et qu'il y avait le sujet de l'harcèlement scolaire et tout ça, je voulais quand même que ce soit possible de l'aborder avec douceur et légèreté. Et Billy Bock aussi avait vraiment cette volonté-là de proposer un texte poétique sans que ça amoindrisse en fait bah, la portée en fait du message. Donc voilà, donc j'écris Papillon Noir et je me retrouve à écrire le livre que j'aurais voulu avoir quand j'étais petite en fait. Un livre surtout qui me fasse comprendre que je suis belle, quand bien même j'entends des choses à l'école ou des moqueries et autres, et que cette beauté en fait, elle se construit aussi avec les femmes qui sont autour de moi. Donc je pense que aussi, c'est pour ça que la mère d'Adé a aussi une grande place dans son accompagnement, c'est que moi-même ma mère a été très présente sur ces questions-là en Oui. fait. Donc voilà. Et l'illustratrice qui a fait ces si beaux L'illustratrice. dessins. Oui, alors, donc faut savoir que les éditions Billy Bock m'avaient demandé si j'avais un nom à suggérer comme, enfin, l'illustratrice à suggérer pour illustrer cet album. Du coup, j'ai cherché pendant quelques temps, mais il y a quand même pas mal. Déjà, c'est très compliqué de trouver des illustrateurs. Il y a plus vraiment de sites, en tout cas, je trouve qu'il y a plus vraiment de sites où on peut, assez lisible pour mettre en avant plusieurs artistes. Et même quand on recherche sur Instagram, c'est noyé, enfin bref. Et une fois qu'on a trouvé quelqu'un, bah, y a après les tendances. Donc beaucoup de... Enfin, il y a vraiment des esthétiques qui sont très cartoon, donc vraiment très anglophones, qui correspondaient pas un peu à l'esthétique du livre qu'on recherchait. Il y avait d'autres dessins qui... Enfin bref. Donc du coup, après, la question du style se posait. Du coup, je cherche, je cherche, je cherche. Bon, finalement, au bout de quelques mois, je dis à Billy Bock, ben, moi, j'ai pas trouvé. Donc ils me disent, bon, ben, sache qu'on avait quand même un nom au cas où. Et ils m'ont présenté le travail de Barbara Brin. Et le travail de Barbara Brin avait vraiment cette manière d'apporter une dimension poétique Ah en oui, fait au texte. vraiment, oui. Et c'était incroyable. Et c'est très fort en fait quand vous rencontrez en tant que auteur ou autrice, quand votre univers, Quelqu'un qui met en voilà, image quelqu'un qui ton met en univers, image oui. votre univers avec la parfaite atmosphère et le ton. Et l'ambiance exacte, c'est vraiment incroyable. Et c'est presque dur après de se projeter avec d'autres esthétiques, quoi. Donc c'est vraiment ce qui s'est passé avec Barbara. Oui. Et Billy Bock aussi avait le mérite de nous avoir mis en contact, chose qui n'est pas courant aussi, il faut le savoir, dans le Oui. monde de l'édition. Souvent, l'illustrateur reçoit un texte et ne rencontre pas forcément l'auteur. Là, on a vraiment pu échanger justement sur ce que je ne voulais pas. Enfin, voilà, sur ce que Oui, je... parce qu'il y avait des choses que tu ne voulais Voilà, pas. que je ne voulais pas, que j'avais... Et en fait, je pense que c'est ça aussi qui nous a aidés, c'est que je savais tous les problèmes que j'avais relevés ces dernières années en termes de représentation caricaturale, ou raciste, ou sexiste, etc., etc. Donc je savais ce que je ne voulais pas. Oui, parce qu'elle, elle est blanche. Donc Oui. elle aurait pu tomber dans un Oui, c'est certain ça, c'est ça. piège sans C'est ça, involontairement, mais. exactement. Et c'était une conversation qui était enrichissante aussi, je pense, pour nous deux, parce que du coup... Il y avait presque une... Je lui montrais aussi mon univers, c'est-à-dire que c'est pas parce que Adé a, comme moi, des différentes personnes de sa famille qui ont des origines à la fois des Antilles et du continent africain, qu'on va mettre directement un personnage en boubou.
Le boubou, c'est réservé pour les fêtes, en fait, ou pour les mariages. Quand ma tante congolaise est dans sa cuisine, elle n'est pas en boubou. Donc, tout au plus, elle peut avoir un empagne avec un t-shirt ou quoi, ou même, enfin bref, ça dépend. Donc, je voulais vraiment qu'on ne tombe pas dans le carnaval, ce qui arrive très souvent quand d'autres cultures autres que françaises sont représentées en littérature jeunesse. Et je voulais aussi montrer vraiment une diversité de carnations, une diversité de types de cheveux, une diversité de longueurs de cheveux. Je voulais pas non plus que une petite fille noire lise Adé et se dise « Ah, oh, je suis pas comme Adé, donc c'est vraiment l'histoire d'Adé, en fait. » C'est pour ça que ses copines aussi ont des physiques aussi différents. Enfin bref, il y avait vraiment une réelle pluralité qui est importante, et pas une diversité de façade, en fait. Et après, tout le reste, ben, c'est vraiment Barbara qui s'en est emparée. Et aussi, le plus gros aussi, qui était assez important, c'est montrer la dimension afropéenne du livre. Montrer que ça ne se passe pas donc ni dans une savane, ni aux États-Unis non plus, ni dans une ville, dans une capitale d'Afrique francophone, mais bien dans un contexte en fait urbain, occidental en fait. Ouais, donc c'était vraiment le parti pris, c'était vraiment le parti pris. Et je pense vraiment que le livre aussi a eu cette richesse parce qu'on a pu aussi échanger sur ces questions-là. Et pareil aussi pour les personnages noirs. Souvent, il y a des personnes, on sent des illustrateurs blancs qui vont garder la même esthétique pour tous leurs personnages et le personnage sera juste marron. Il n'y aura pas un travail sur ses traits, il n'y aura pas un travail sur ses cheveux. Et à l'inverse, on va avoir des illustrateurs qui vont. Alors, ça, je le retrouve vraiment dans la BD belge des années 90, mais l'espèce de gribouillis qui sert à montrer voilà un afro. Alors qu'en fait, non, c'est un travail de texture, en fait. Et toutes les personnes n'ont pas le même afro. Donc voilà, tous ces petits détails ont vraiment permis de composer une illustration qui porte en fait le texte Oui, et qui est riche. qui est riche en fait et qui est hyper passionnante enfin aussi à faire quoi enfin c'était moi j'ai adoré échanger sur les coiffures avec Barbara tout ça et c'est des choses que les gens remarquent beaucoup la page des coiffures les enfants à chaque fois Oui. disent c'est ma page j'aime bien celle-là. Et alors, sur le deuxième, donc le chemin de Jada, donc là, tu explores un autre thème qui est le colorisme. Et en fait, c'est vrai qu'ici, on connaît le mot racisme, mais colorisme, c'est moins fréquent, on en entend moins parler. Je suis allée écouter intégralement le podcast que tu recommandes sur ton blog sur le sujet du colorisme en Martinique, je Oui, c'est crois, ça, en c'est ça, hein? Martinique, ouais, tout à fait. Voilà, et où là, effectivement, j'entre un peu dans un autre monde sur Ouais, toutes les le la vocabulaire. discrimination par rapport à toutes les déclinaisons, Ouais. toutes les nuances, en Ouais, fait, hein, toute nuance de de carnation couleurs peau, ouais. et ce que ça représente dans l'imaginaire des gens, et du coup, très concrètement, après, les différences de traitement selon la couleur de ta peau. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu en quelques mots Oui, de ce que c'est le colorisme? alors en fait, le colorisme, c'est une hiérarchisation des carnations de peau d'un groupe ethnique identifié. On le retrouve dans la diaspora africaine, mais c'est aussi présent dans la diaspora asiatique. Avec cette idée que plus on se rapproche de la peau blanche, plus en fait on a une belle peau, et donc on répond à des codes, à des diktats de beauté en fait, érigés par l'Occident en fait. Donc Oui, puisque le top au sommet de la voilà, pyramide de valeurs, c'est le blanc parfait. voilà, c'est le blanc Enfin, le blanc, parfait, la couleur de la peau c'est blanche, ça, la couleur dite de la peau blanche. blanche. Et du coup, il y avait. Donc oui, du coup, c'est très insidieux le colorisme parce que d'une part, ça fonctionne avec. C'est un bébé du racisme, entre guillemets, si je dois imaginer ça. C'est issu du racisme, c'est présent partout. Quand on regarde par exemple les pubs pour shampoing, on va avoir de plus en plus des marques qui vont vouloir mettre en avant une femme blanche, une femme maghrébine et une femme noire. Souvent, la femme noire sera souvent claire de peau. Elle sera rarement foncée de peau comme Lupita Nyong'o. Elle sera rarement donc voilà. Même pour les pubs pour shampoing, c'est très marrant de voir systématiquement des. Enfin marrant, c'est ironique, mais c'est très marrant de voir des pubs vendues comme à destination des cheveux crépus. Et en fait, on nous montre une femme métisse ou alors claire de peau avec des cheveux ultra ondulés longs jusqu'aux hanches. Alors que c'est pas enfin le cheveu crépus, c'est pas ça en fait. Donc c'est assez, non, c'est vraiment récurrent. Et ça va loin, puisqu'il y a quand même des incidences, en fait, matérielles, puisque même au cinéma américain, on va très souvent, même pour des adaptations où il est stipulé que le personnage est noir, et aussi, enfin, noir foncé, on va préférer un casting métis ou clair de peau, etc., etc. Donc il y a des incidences vraiment économiques aussi autour du colorisme. C'est ce qui nourrit aussi le blanchiment de peau, le fait que beaucoup de femmes, et aussi en Amérique latine d'ailleurs,
enfin que beaucoup de femmes en fait non blanches ont recours à ça pour espérer se rapprocher d'un idéal autour de la blancheur entre guillemets. Avec des cosmétiques souvent Ouais, très, avec très nocifs. ouais, très nocifs et qui causent quand même des scandales sanitaires en fait et d'autres grosses maladies après ça quoi. Donc il y a tout ça en fait autour du colorisme et donc ça c'est bon pour la partie un peu large du problème, mais même dans le cercle familial, ça passe par beaucoup de petites réflexions du genre « t'es tellement noir qu'on ne voit pas dans la nuit ». Ça, c'est la phrase qui est toujours envoyée en fait aux personnes noires foncées. Cette idée que oh, « tu serais tellement plus jolie si tu étais plus claire, c'est dommage ». Donc, Ça, c'est vraiment ce qu'il y a dans le chemin de Jada. ouais, et Oui. donc, mais c'est un discours hyper présent. C'est un discours hyper présent, et c'est un peu la même chose qu'avec le cheveu, en fait. Oh, c'est dommage que ses cheveux soient si crépus, s'ils étaient un peu plus bouclés, ben, ce serait plus joli, quoi. Donc, en fait, de manière très insidieuse, il y a toujours ce rappel, on serait plus belle. Je parle des femmes parce que c'est aussi, pour des raisons de patriarcat, etc., aussi les femmes qui sont les plus touchées. Vous seriez tellement belle si vous étiez plus proche, en fait, des diktats de beauté blancs, en fait. Donc j'avais vraiment envie de... Alors je savais que ce serait un thème sur lequel je devrais plus accompagner, parce que justement, il y a beaucoup d'expériences vécues par les gens, mais ils n'ont pas forcément le mot. Et c'est une notion qui est assez connue dans le milieu académique, mais qui n'est pas encore très banalisée en fait, en général. Et en parler aux plus jeunes, pour moi, c'est aussi faire le même travail de prévention qu'avec comme un lion de papillon noir. C'est-à-dire que la dernière fois, je faisais une lecture... autour du chemin de Djada, et il y a une petite fille maghrébine justement qui devait choisir entre papillon noir et le chemin de Djada. Et en fait, celui qu'elle ne prendrait pas, ce serait pour sa sœur. Et donc, elle a décidé de prendre le chemin de Djada parce que justement, elle s'est reconnue dans le fait d'être la plus foncée que sa sœur et qu'elle le vivait mal. Et donc, sa mère était au courant de ça, donc voilà, elle m'expliquait tout ça. Et donc, à 4 ans, cette petite fille était capable de savoir qu'elle avait été victime de colorisme en fait. Et donc c'est là où je n'en démords pas sur le fait que faut commencer ce travail de sensibilisation très jeune. Ah oui, c'est ça. L'estime de soi en dépend, la confiance de ses enfants en dépendent. Et d'ailleurs, il y a quelque chose dans ce que j'ai vu en préparant cette interview qui m'a enfin amusée. En tout cas, je trouve qu'il est tellement parlant sur l'importance de l'éducation et d'amener tout ça à la portée des plus Ouais, des jeunes. plus jeunes, ouais. C'est que à un moment, tu racontes qu'il y a une petite fille blanche qui a lu tes livres Ouais. et qui voit un petit copain se moquer de sa petite copine Ouais, noire et ouais. elle va le taper. Ouais, et ça pour moi, Et c'était énorme, c'était énorme. ça Enfin, montre bien ouais. que d'abord que les petits blancs doivent lire ça aussi. Exactement, C'est très exactement. très Et important. que c'est une responsabilité collective, en fait. Et qu'en fait, voilà, tout ça s'éduque en Mmh, fait. c'est ça, s'éduque, et en fait, on a tous un rôle à jouer. C'est ça aussi, c'est que quand il a été question de retrouver un éditeur après que les éditions Billy Bock aient fermé, et qu'on a du coup proposé à plusieurs maisons d'édition de reprendre ce livre, on me disait à chaque fois, c'est un livre de niche. C'est-à-dire, c'est un livre que seuls les Noirs vont acheter, et il faut croire qu'on n'est pas des vrais lecteurs pour que ça intéresse les maisons d'édition. Et il y a un éditeur qui t'a dit qu'il ne Ouais. publiait pas Ouais, il y a un de édit. livres écrits par une femme noire pour Ouais. des enfants noirs. C'est ça. Et C'est tellement texto. normal que les blancs doivent, tout le monde doit s'identifier. C'est ça. Et en fait, il y a toujours cette espèce de sous-entendu, pas si sous-entendu que ça, en tout cas, par cette personne, mais que les personnages blancs sont des personnages universels dans lesquels tout le monde va se retrouver, en fait. Voilà, c'est Et ça. c'est quand même incroyable. Ça veut dire qu'on se C'est à trouve sens unique, hein. c'est à sens unique et on se retrouve dans une situation où les gens ont oublié vraiment le terme de universel. Si la littérature était réellement universelle, on aurait une diversité qui représenterait autant de points de vue possible, en fait, en littérature. Et là, ce serait universel. Mais du coup, là, non, ce qui est renvoyé, c'est qu'en fait, un personnage noir ne peut pas être un vecteur d'universalité. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Et ce travail même d'identification, qu'on nous a aussi souvent dit, un peu en mode, ouais, mais les enfants vont pas se reconnaître, mais comment on a fait, nous, pendant ces années, en fait? Comment a fait ma Oui, c'est génération? ça. Le noir doit se reconnaître dans le blanc, C'est mais le ça. blanc, ça semble normal que ça lui soit impossible de se C'est reconnaître et de impossible. s'identifier, comme si la part d'humanité qu'il y avait d'une personne noire n'était pas. C'est ça, n'était pas assez humain et n'était pas assez. Et ce Comme si qui. on ne partageait pas les mêmes sentiments, C'est ça, la même les mêmes. empathie. Voilà. Et c'est un peu triste aussi pour moi de voir parfois des parents, justement, enfin des parents blancs qui voient qui voient mes livres, qui se disent oh, c'est super joli, mais dommage, mon enfant ne va pas se reconnaître dedans. Les adultes posent des barrières que les enfants ne se posent pas. Il y a un petit garçon blanc, justement, qui avait lu Papillon Noir et qui avait essayé de reproduire l'attaché foulard d'Adé. Je trouve ça génial. Je trouve ça énorme. Moi, je trouve ça énorme. Et je trouve que c'est vraiment la preuve que, au fond, ça reste une histoire, en fait. Oui. Au fond, ça reste une histoire.
Mais en plus, c'est triste de dire ne pas acheter le livre parce que mes enfants ne vont pas se reconnaître dedans. Ouais. Mais c'est pas que ça, l'éducation Mais des c'est enfants, ça. c'est aussi justement donner à connaître les autres ressentis de personnes qui vivent autre chose, qui sont C'est différentes, ça, c'est la ouvrir, différence. c'est ça, c'est ouvrir. Et puis même en fait avec cette question de différence et de diversité, c'est les termes que l'on utilise pour que ce soit compréhensible en général pour les gens, mais en vrai, c'est pour moi, c'est juste une juste correction de la réalité en fait. La réalité que l'on voit à travers les médias, que ce soit le cinéma ou la littérature ou d'autres médias culturels, c'est une réalité tronquée qui est à destination d'un regard blanc. Donc en fait aujourd'hui c'est une juste démarche de vouloir réellement représenter les personnes que l'on voit dans la rue, que l'on voit dans le métro et qui sont totalement absents. Enfin voilà, avoir un public jeunesse, ça montre aussi les barrières aussi que les adultes se posent et les propos totalement totalement. Un enfant qui n'est pas noir et qui lit Papillon Noir ne sera pas en danger, quoi. Il va juste lire une histoire et il va aimer ou pas. Et pour ça, les enfants aussi sont très honnêtes sur la manière dont ils s'approprient les questions de race et les questions de harcèlement. Et je le vois aussi dans les écoles. Les enfants n'attendent que ça, de pouvoir. C'est terrible en fait quand vous êtes dans une classe où les enfants ont 5 ans et n'osent pas colorier AD parce qu'ils savent qu'il y a un truc en fait avec la couleur de peau marron. Oh, ils étaient. 5 ans et ils ont Ah déjà oui, c'est conscience qu'il y a impressionnant, un, hein, oui. voilà, ils ont déjà une conscience qu'il y a un tabou autour de la race. 5 ans, c'est extrêmement jeune et ils n'ont pas les mots. Et en fait, bah finalement, on se retrouve. Donc en fait, je me retrouve en position où je dois décomplexer tout ça. Il faut en parler en fait de la race. C'est pas un gros mot de dire que quelqu'un est noir. C'est pas un gros mot de dire que quelqu'un est blanc. C'est issu d'une histoire, issu d'un héritage. Mais ça aussi, c'est très français. On est quand même dans un pays qui pense que le racisme va disparaître en supprimant le mot race de la Constitution, en fait. Donc, c'est culturel aussi, cette manière de traiter la question de race et le malaise qu'il y a autour et le tabou, etc. etc. Donc, j'ai vraiment l'espoir de me dire qu'en commençant par les jeunes, il y a quand même des changements qui sont possibles, en fait, sur le long terme. Et je le vois aussi avec mes frères et sœurs qui sont beaucoup plus jeunes que moi. Et qui grandissent avec bah voilà, des mots comme intersectionnalité, comme afropéanité, enfin voilà, qui ont plus d'outils que ce que j'avais moi il y a 6 ou 7 ans, quoi. Oui, donc ça va vite quand même là. Ça va vite quand même. Bon, pas assez. Pas... En termes de connaissances, je trouve que ça va vite, et en termes de production, c'est ça que je trouve remarquable, c'est qu'on des personnes concernées par les discriminations qu'ils subissent ont la possibilité de produire. Maintenant, on est dans un système, et c'est ce qui reste crispé, c'est quand même l'institution, le gouvernement, enfin, voilà, les instances politiques, en fait, autour de ces questions-là, quoi. J'ai visionné une émission, l'émission Clic, Mmh. où tu étais invité, tu étais bien entouré là, entre Joey Starr et Frédéric Becbédé. Et en fait, l'animateur Mouloud Achour donc, vous raconte une expérience qui s'appelle l'expérience de la poupée Clark, où on peut voir d'ailleurs hein, des images sur YouTube de cette expérience, donc où on demande en fait à des enfants, essentiellement des petits-enfants noirs, de choisir entre deux poupées, donc il y a une noire et une blanche, celle qu'ils trouvent la plus belle et la plus gentille. Et tous les enfants, en fait, et donc beaucoup de petits-enfants noirs, désignent la poupée blanche comme étant la plus gentille et intelligente, et la poupée noire comme étant la méchante. À chaque fois qu'ils demandent, alors, laquelle, selon toi, est la plus belle, laquelle est la plus intelligente, Intelligente, ouais. laquelle est méchante et gentille. Et je dois dire que même si je pouvais me douter de ce genre de résultat, mais franchement, ça m'a. Enfin, je ne pensais pas que c'était à ce point-là, C'est quoi. hyper violent. Franchement, Quand j'ai vu cette c'est. vidéo, on ne voit Ouais. pas ta réaction dans l'émission, et je Ouais. me demandais si tu avais été surprise ou si ça te semblait tout à fait normal, En fait, je connaissais déjà cette cette expérience. expérience-là Oui. depuis plusieurs années, donc c'est pour ça que j'étais pas. Enfin, c'était pas la première fois que je voyais la vidéo. Oui. Et non, j'étais pas étonnée parce que on peut pas demander à des enfants qui sont des éponges par rapport à l'environnement, qu'ils absorbent tout ce qu'ils voient, etc. Mais ça montre comment les esprits sont Ouais, quand même voilà. tellement marqués et C'est si ça, petits. les esprits absorbent tout déjà très jeunes, et puis surtout, ça montre ce que la société renvoie. C'est la société qui leur fait comprendre que, bah, en fait, le personnage noir est forcément le méchant et l'agressif Voilà, et le c'est sauvage, ça. etc., etc. Donc c'est distillé par un environnement qui fait que. Il s'est destiné par un environnement qui fait qu'on les place au milieu de tout ça, et ils absorbent et ils recrachent juste ce qu'ils ont compris, en fait, de ce qu'on leur a envoyé. Non, j'étais pas étonné. J'étais pas étonné. Je crois l'expérience a été refaite en 2007, je crois. Oui, Et en je. fait, c'était au milieu du XXe siècle, je crois, la Ouais, première c'est fois. ça. Ouais, la première fois, c'était au Et ils milieu. l'ont refait, et en Ouais. fait, ça n'a pas évolué. Non, ça n'a pas évolué. Et. Au niveau estime de soi, ça en dit long, hein. Non.
Et je suis pas étonnée du coup. Et du coup, c'est pour ça que je serais curieuse de voir le résultat aujourd'hui ou même dans 10 ans, en fait, avec tout ce qui est ressorti aussi avec ben, l'Internet, les réseaux sociaux, etc. Toute cette volonté aussi de mettre en avant des productions en fait, qui représentent plus comme Black Panther, etc., etc. Je suis très intéressée de voir justement ce qui ressort de tout ça, quoi. Oui, Mais. Netflix, ils font enfin, bon, il y a beaucoup de gens qui sont contre Netflix, mais moi je trouve qu'ils font un gros boulot Ils par font un rapport à gros tout ça. boulot, ils font un gros boulot et surtout ils diversifient vraiment les récits. C'est ça que j'apprécie aussi. Après, il y a plein de choses qui sont parfois, enfin, qui peuvent être améliorées, mais ils diversifient les récits et cette approche-là, c'est ça qui fait aussi le succès de Netflix. Et je pense que c'est un sujet que le cinéma, surtout le cinéma français, refuse encore de voir ou d'apprendre, quand bien même il y a. On a assisté à Noir n'est pas mon métier avec l'initiative de Aïssa Maïga. On a eu le film d'Amandine Gay, Ouvrir la voie. Donc il y a De la. Mame Fatou Niang aussi, Voilà Marianne aussi. Noir. Ouais, tout à fait. Donc on a eu toutes ces productions qui ont mis en avant, en fait, qu'il y avait une conversation à avoir sur cette question-là. Mais là encore, voilà, si le cinéma français ne fait pas ce travail-là, c'est pas étonnant que la majorité des personnes se tournent vers Netflix, en Et fait. Pascal Au Boulot avec La Femme Invisible, Tout à fait. bien avant Ouais, d'ailleurs tout à celle fait. qu'on vient de citer. Ouais, tout à fait, tout à fait. Quelles ont été les réactions des enfants aux histoires d'Adé, d'Iris et de Jada? Et est-ce qu'il y a des réactions qui t'ont surprise? Alors, la première réaction qui m'a surprise, mais ça c'était avant la sortie de Papillon Noir, je crois que c'était la veille. Du coup, on voulait avoir un petit avis d'enfants de notre entourage. Et ce sont des petites filles métisses qui ont été terrorisées à l'idée d'avoir des papillons dans les cheveux. Ils se sont dit, ça veut dire qu'il y a de la terre dans les cheveux et que du coup il y a des chenilles, mais c'est immonde, ça veut dire qu'il y a des insectes et tout. Et là, je me suis dit, oh mon Dieu, ce livre va faire un flop. Ah oui, t'avais pas pensé que ça Ah pouvait ouais, être j'avais perçu comme pas ça. du tout pensé, surtout que le texte lui-même ne. Enfin, elles avaient pris l'histoire d'une manière tellement pragmatique que j'étais juste désabusée. Mais après, non, globalement, j'ai eu de super réactions autour du livre. Et c'est hyper enrichissant, en fait, d'avoir le retour des enfants. Mais je pense que la puissance de ce livre, c'est le fait qu'il ait aussi touché beaucoup d'adultes. Et ça, je suis très très contente que des adultes se permettent de l'acheter. Beaucoup de femmes noires me disaient, oui, je l'avais acheté pour ma cousine, mais j'ai un peu honte, je l'ai gardé pour moi, finalement. Et je les encourage. Il faut plus d'adultes qui achètent des livres pour enfants. Pour l'enfant que nous étions. Voilà. Et aussi des blancs. Ouais. Et toi, quel livre et quel film qui t'ont toi-même fait avancer ou que tu peux recommander à tous ceux, toutes celles et tous ceux qui ont envie d'approfondir ce sujet-là? Alors, en film, sans aucun doute, et il y a tout dedans, misogynie noire, donc la misogynie visant les femmes noires, colorisme, racisme, tout ce que tout est dans ce film. Et il est d'une grande puissance parce que on a droit quand même à une happy end. C'est Couleur pourpre. Donc Couleur pourpre, donc réalisé par Spielberg et adapté du roman de Alice Walker. C'est pour moi c'est le film. J'adore ce film. Tout est parfait dans ce film. Tout est Avec Whoopi Goldberg ouais et une belle musique aussi. et une musique magnifique. Donc oui, je crois déjà pour moi c'est le film qu'il faut avoir vu. Comme livre c'est difficile, mais je pense que j'aurais tendance à recommander Pluie et vent sur tes lumières miracles. Donc c'est un roman de Stephen Schwarzbart qui a quand même cette force d'avoir proposé une histoire qui se passe dans une Guadeloupe post-esclavage et où donc qui dit post-esclavage dit que les personnes noires sont dans la misère du coup puisqu'elles n'ont pas de terre ou rien du tout. On suit en fait une génération de femmes et elle en parle avec beaucoup de poésie et beaucoup de douceur et de c'est extrêmement beau. Ah, c'est très très C'est beau. Ben, extrêmement j'en ai beau. parlé tout à l'heure, Ouais. j'ai été très marquée par Ah, ce moi livre. aussi. Et en fait, et c'est aussi un des livres qui m'a montré qu'en fait, on peut parler justement de sujets graves, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'une esthétique ne peut pas être poétique et belle et légère et pleine d'espoir, en fait. Donc ça, après Tar Baby de Toni Morrison, évidemment. Et qu'est-ce que je pourrais recommander? Oui, je recommanderais aussi les auteurs autopubliés. Madina Gissé a publié Neiba, je sais tout, donc qui en fait retrace les aventures d'une petite fille noire qui fait des bêtises, qui est curieuse, etc. Donc voilà. Et je trouve que c'est aussi une autre manière de montrer qu'on peut mettre des personnages noirs sans que ce soit le sujet, sans que leur couleur de peau ou le racisme soit le sujet. Oui, parce que nous, on a les malheurs de Sophie, mais enfin, c'est très typé quand même. très typé, et Martine aussi. Donc Oui. voilà. Il y a aussi la bande dessinée afrofuturiste de Randy Boosie, donc une bande dessinée qui s'est inspirée en fait de mythes d'Afrique francophone pour créer un univers en fait totalement futuriste. Et pareil, c'est une autrice autopubliée, donc soutenez
les autrices et auteurs auto-édités afrodescendants. Donc là, pour Et les personnes intéressées, ils peuvent trouver en allant sur le ouais, net. en allant sur le net, ils peuvent commander. Commander. Et voilà, je crois que Bien. voilà. Ok. Pour terminer, tes projets ou ton actualité, parce que tu es bien occupé en ce moment. Waouh. Alors Parce que tu fais plein d'autres choses ouais, qu'écrire. Hein. Tu es aussi beaucoup sur le terrain avec des ateliers, avec des exactement. rencontres, Je fais avec pas mal des. d'ateliers, d'ateliers d'écriture. J'ai Tu aussi, transmets maintenant. ouais, je Maintenant transmets que toi, beaucoup. tu as appris les choses après les conseils de Léonora Miano C'est et que ça. tu t'es mise en mouvement pour écrire Ouais, et je créer. transmets beaucoup et en fait, j'ai vraiment envie de. Alors déjà, j'ai créé l'Afrolab que je co-anime aujourd'hui avec deux associés. Mais en fait, l'Afrolab, c'est un accélérateur de projets destiné à accompagner des femmes noires sur la création de leurs projets. Et vraiment en partant de rien, en prenant en compte bah, le manque de budget, le manque de réseau, etc., etc. Et donc Toutes comment, les difficultés voilà, que toutes les tu as limites, pu voilà, que j'ai pu rencontrer, et là rencontrer et... aussi où tu aurais voulu. C'est bien parce que tu Exactement. crées tout en fonction de toutes C'est ça. les difficultés que Bah, tu. j'ai vraiment envie que ce soit cohérent aussi avec ma démarche et aussi que ce soit accessible. J'ai toujours. Parce qu'il y a parfois aussi, je pense, cet écueil de vouloir proposer un truc très très théorique et de laisser ça aux gens et en fait de ne pas leur donner les clés avec les mains dans le cambouis, quoi. Parce que la vie, c'est pas que de la théorie. Oui, parce qu'il suffit pas de dire vous êtes capable, tout est possible, Voilà. il y a qu'à Voilà, faucon. j'ai horreur de ça. Donc, oui, avec cet accélérateur-là, on propose une fois par an des ateliers autour du podcast, de la vidéo, de l'écriture slash édition et du numérique. Et donc, c'est souvent une journée par an où l'on fait ça. Et bien, en fait, cette année, on a vraiment Donc des moyens d'expression. voilà, des moyens d'expression et des espaces en fait, où on peut donner les clés. Je fais aussi donc, pas mal d'ateliers avec la revue Ataillé, donc Ataye. Qui est une revue littéraire et qui donc m'accompagne souvent pour faire des ateliers d'écriture avec un cycle en particulier qui s'appelle De quelle couleur est ta peau noire? Et qui est en fait un site où on déconstruit tout l'imaginaire colonial avec lequel on a grandi et de quelle manière aujourd'hui en fait on peut réinventer la manière de parler des personnages afrodescendants. Donc ouais, donc je suis un peu partout. Après, côté projet, je me lance dans le roman graphique, donc j'avais envie de changer de format aussi. J'ai encore des romans qui sont sous le coude, donc je pense que tout Donc va. là, c'est-à-dire pour adultes. Ouais, pour adultes, ouais. D'accord. Là, vraiment, j'ai envie aussi de toucher un public adulte, et c'est là aussi que je viens à la base du roman, donc. Et du coup, en travaillant aussi avec un Alors, oui, illustrateur, une avec une illustratrice ou. illustratrice qui Oui. s'appelle Camélia Blando. Du coup, on est en train de travailler dessus et d'avancer sur le projet. Je n'abandonne pas la jeunesse, mais j'ai envie aussi d'essayer un nouveau format. Notamment avec les livres audio, parce que je pense aussi qu'il y a un enjeu d'accessibilité, notamment avec les enfants malvoyants, entre autres, mais pas que. Et le roman, voilà. Donc c'est une année bien chargée, c'est une année quand même bien chargée. Et de toute façon, le blog continue, donc le blog Oui. est ouvert à tout le monde. Et je pense que le blog, de toute façon, en lui-même, est un très bon moyen pour que qu'on soit blanc, noir ou autre, en fait, de connaître, en fait, les thématiques dont j'ai parlé. Et le dernier point, ce serait que les personnes, si elles veulent me soutenir, parce que justement, ma partie militante, enfin, tous ces projets demandent souvent un coût. Donc, si les personnes souhaitent me soutenir dans ces projets-là, j'ai un Patreon, slash Mrs. Roots, où donc les personnes peuvent s'abonner pour 1,49€, je crois, par mois. Oui. Et donc, avoir accès à pas mal de contenu, donc que ce soit les coulisses de tout ce que je fais, que ce soit pas mal de recommandations aussi, enfin, des contenus assez exclusifs. Les gens qui ont suivi le chemin de Jada connaissaient déjà la couverture avant tout le monde. Donc voilà, c'est aussi une manière de me soutenir s'ils le souhaitent. Voilà. C'est noté. Laura Nsafou. Voilà, on rappelle donc Comme un million de papillons noirs et Le chemin de Jada aux éditions Cambourakis. Oui. Ton blog pour ceux qui veulent te rejoindre sur le net et te soutenir, Mrs. Roots. Oui, c'est ça, .fr. Maintenant, je te souhaite une très bonne continuation. Merci beaucoup. Peut-être on se recroisera pour un prochain livre, pour enfants ou Avec non. plaisir. Je te souhaite vraiment un beau parcours que tu as déjà bien commencé. Merci, merci beaucoup. À une prochaine fois. À une prochaine fois. Merci. Chers auditeurs, si vous avez apprécié cet entretien, merci de mettre 5 étoiles au podcast de So Sweet Planet sur iTunes. C'est très important pour qu'il ait plus de visibilité. N'oubliez pas de vous abonner, soit à la newsletter sur sosweetplanet.com ou sur iTunes, au podcast, ou les deux, pour être informé des prochains podcasts mis en ligne. À bientôt.